en les créoles, ce qui nous a dans un lionnage. Nous avons fait ça nous et puis nous avons ça nous fait ensemble pour mettre l'angle créole là devant. C'est pour ça que nous faisons le bagaille, la collectivité, mais nous avons fait ça. Mais avant ça, parce que nous faisons, il y a actuellement 2-3 semaines en consit, l'hôtel de l'Assemblée de la collectivité, et il y a des membres qui demandaient qui ça la collectivité peut faire pour un DU. Et là, je parle de dispositif. Là, je suis très très concrète et très très pragmatique. Avant de passer à l'appel à projet pour comment parler, je parle des dispositifs de la collectivité. Alors, on va vous remettre hein, ce document. J'ai tenu à ce qu'on vous le fasse. Qui synthétise toutes les aides que la collectivité donne, attribue, de façon générale. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de la langue créole qui sollicitent et qui demandent. Et ça m'embête. Ça m'embête. Donc j'ai demandé à ce que tous ces dispositifs soient listés. Il y en a quelques-uns. L'aide aux auteurs d'œuvres littéraires. Voilà, je sais qu'il y a une idée matchée en parmi nous autres. Donc l'aide aux auteurs d'œuvres littéraires. Pour la discographie aussi, parce que la langue créole, par derrière, il y a une culture qui s'appuie, ou l'inverse d'ailleurs, ça dépend de comment on le voit. Il y a aussi, et on a eu cette année l'occasion d'aider des acteurs de la langue créole.